Le premier sujet de conversation depuis 48 heures des Français sur les réseaux sociaux, c'est le coiffeur de l'Élysée. Trouvez-vous normal que les contribuables paient pour les frais de coiffure du chef de l'État ? J'ai vu ça. Il paye aussi cher. Je vais vous donner... 10 000 euros par mois, 9 950 euros par mois. Je peux là aussi entendre ce que ça peut représenter. J'ai fait diminuer le budget de l'Élysée, qui était de 109 millions en 2012 à 100 millions. J'ai supprimé 10% des effectifs de l'Élysée. Pour ce qui concerne les frais de coiffure, comme vous dites, il y avait des prestations extérieures jusqu'à présent. J'ai préféré que ce soit assuré d'ici. Le budget d'Élysée a baissé. Les effectifs ont baissé. Mon salaire a baissé de 30%. Et on viendrait me chercher sur un sujet dont je ne suis pas d'ailleurs le premier responsable. Mais qu'importe. Vous comprenez que c'est bien sûr, la déconnexion entre les responsables politiques et les Français. Mais les responsables politiques, je suis le premier des responsables politiques. Je suis évidemment conscient pour que dès que je suis arrivé ici, j'ai diminué mon salaire. Je ne veux pas parler de ce qui s'était passé avant. J'ai diminué mon salaire, j'ai diminué les effectifs de cette maison. Et j'ai diminué le budget de 109 millions à 100 millions d'euros. Alors, on peut me faire tous les reproches, sauf celui-là.